Il est dans la musique professionnelle avec plusieurs prestations, plusieurs. Nous allons maintenant passer au moment des présentations. On va présenter les candidats. Numéro 1, c'est Eli Baba. Numéro 2, numéro 25, c'est Nouriat. Et numéro 26, c'est Israël Balingene. Donc aujourd'hui nous avons 26 candidats. Applaudissez pour ces 26 candidats. Applaudissez. Et là, nous allons débuter notre compétition d'aujourd'hui avec le numéro 1. Et Eli Baba, je veux d'abord vous signaler une chose, c'est qu'aujourd'hui vous allez prester mieux par rapport au temps. Et une autre chose que vous devez comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il y a de ceux-là qui seront éliminés. Je pense que ton équipe est déjà prête. Tu chantes, on ne t'évalue pas encore. On veut s'assurer que le son est bon, parce qu'on ne veut pas qu'en étant le premier, tu sois sacrifié par rapport à ceux qui viendront après que le son soit réglé. D'accord? Là, tu t'amuses en fait. J'ai la vision avec passion. Dans une salle, c'est tout en l'air. Je sais, il n'est pas de toi. Mais aussi, tu ne vois qu'elle est en train. Il y a une chose, on vous a donné ça comme remarque avant. Vous chantez bien, vous êtes plus artiste, mais vous ne voulez pas nous faire participer. Ça va? Il faut travailler ce point-là. Même pas aujourd'hui, demain encore, il faut bien travailler ce point-là. Faites-nous participer à la chanson que tu chantes. Merci beaucoup pour la chanson. J'ai aimé ta douceur, j'ai aimé ta voix aussi, tu as une très très belle voix. Peut-être ce qu'il fallait corriger prochainement, c'est être plus à l'aise sur scène. Quand tu étais concentré dans ta musique seule et nous on n'était pas vraiment impliqués comme il venait bien de me donner un tel de remarque. Donc pour aujourd'hui, tu as encore une fois de plus bien chanté, tu as utilisé ta belle voix, mais seule. Merci d'améliorer prochainement et j'aimerais te voir vraiment apprécier l'étape. Bonne chance.
J'ai été satisfait au niveau de la musique, mais j'aimerais que ton corps participe un peu plus. D'accord? Oui. Donc prochainement, essaie de nous faire un spectacle derrière la voix et derrière les paroles. Merci. Les candidats suivants, c'est le numéro D. Accueillant Sam Smith Kassom. Ok, Sam. Ça fait déjà commencer. On va compter de 5 à 0. 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est parti. Ça nous aurait emballé même spirituellement. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas ce qui se stresse, en tout cas, mais on a ressenti ça dans votre façon de chanter. Et j'espère que vraiment prochainement, tu vas apporter plus de chaleur que ce que tu as présenté aujourd'hui. Et je ne sais pas si vous avez beaucoup répété avec l'équipe, mais je n'ai pas senti vraiment l'harmonie entre toi et tes musiciens. Mais courage, et j'aimerais bien te voir prochainement. Donc, dans ta voix, on ne sentait pas l'énergie. Il fallait vraiment faire sortir la voix que Dieu t'a donnée. Et c'est vrai, tu peux bien chanter, mais cette énergie-là. Thank you.
Abigail. Ça va? Écouter cette voix dans ta propre chanson. Ça, c'est que moi je peux aimer, écouter cette voix dans ta propre chanson. Belle prestation aujourd'hui, félicitations. On t'attend en tout cas prochainement. Bon, on a tout dit. Bravo. J'ai aidé la joie, alors je suis là. J'en peux pas, je suis en faire part, mais vous donnez également votre part. Assurez-vous de ne pas en train. La joie que je vous propose, ne pas l'autre rose ou l'arbre de maman rose, elle ne se prend pas en petite dose. Vous n'avez pas à craindre en overdose. Et c'est effacer les fausses de notre passé. Le choix oublié quand c'était remplacé par un certain bébé. C'est toi, j'en ai pris les formes, mais il ne faut pas se méprendre. Au risque de vous surprendre, c'est toi ne pas les apprendre. Il n'y a que à apprendre. Imaginez combien vous donneriez que de la joie à vos lentilles. Dès lors, ne sortez pas vos pieds. Cela ne peut se monnayer et puis quelqu'un a déjà vous payer. Je n'ai plus qu'à vous la partager. Prenez-en tant qu'on vous fait. Plus j'en ai distribué, plus j'en aurais dû vous l'avoir communiqué. Ce bel homme est autrui. Il a des dites positives à conserver un sourire quand on va pleurer, un pleurant quand on va se dire. Cela, c'est de la paix. Prêt pour toutes les nations, dans tous les horizons, quel que soit leur condition. Ça va, Kevin? En une phrase, synthétisez votre message. Je parlais de la joie et de la vérité. Donc, la vérité qui est Jésus. Parce que dans Jean, on nous dit qu'il est la vérité, le chemin et la vie. Alors, moi, je parlais de cette joie qui est éternelle. Donc, qui répond à son appel, donc c'est donc cette bonne nouvelle. C'est un peu ça, donc le but du message. Parce que c'est pour la relation que tu as mise entre la joie et la vérité. La relation que j'ai mise entre la joie et la vérité. Vous savez, une personne qui connaît déjà la vérité a beaucoup de joie, c'est ce que je pourrais dire. Maintenant, si vous êtes dans Jésus, vous pouvez avoir donc parce que lui a un plan merveilleux pour notre vie. Alors, à tous les temps, ouais. Merci. Bon. Après là, je vais te donner une photo. Donc, tu es une star pour moi. Félicitations. Merci. Je suis en train d'avoir peut-être ma prochaine star du slam. Commencer comme tout le monde. Tiens, ton sens de créativité qui te pousse toujours à oser et à prendre les risques. Écoute-moi. Très belle voix, mais je pense que tu peux encore la maîtriser davantage. Et élégance. Et c'est juste que tu as un peu joué à la maligne avec le temps. Tu voulais gagner le temps avec le trajet, mais on t'a eu. Hein. Donc prochainement, travaille aussi sur le temps pour qu'on ne coupe pas ta prestation, parce que ça te fait perdre des points. Ok? Bravo. On applaudit pour... Bonjour à tous. Bonjour. Donc j'aimerais chanter avec vous aujourd'hui. Et pour commencer, j'aimerais dire ceci que Dieu est en train de dire dans sa parole que c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné les noms qui ont décidé tout nom. C'est pourquoi aujourd'hui nous disons c'est Jésus la star. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi, c'est Jésus la star? Yeah. Ne m'applaudis pas, ne me glorifie pas, regarde à la croix, car c'est Jésus la star. Merci. Le temps passe. Yeah. Bro, c'est plus que l'imagine. Yeah. On va filmer, ok. Moi, j'y calme. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah.
J'élève le nom pour élever les noms de Jésus-Christ. J'élève la voix pour élever celui qui a payé le prix. C'est l'endroit pour nos amis, c'est son envoli qui donne la vie et la valeur, même au plus démuni. Il est ma force, il est ma joie, il est mon espérance. Mon espoir en lui, je crois, il est ma différence. Tout ce que je ne trouve pas dans les mots, je trouve dans sa présence. Dans mon cœur, sa grâce, il apporte depuis mon enfance. J'ai la chance de sortir et lui à ma famille. Quand mon famille l'a dit, nous ne peux que faire. De cette grâce, il dans laquelle je suis. Héritier de ses promesses en début de la nuit. Ma vie n'est pas à vendre, elle se trouve en train de m'étendre. DJ qui a pu m'entendre, briller depuis ma chambre. Il essaie de me surprendre, il a toujours su s'y prendre. De la boule, tirer la cendre. Pendant sa vie sur terre, n'a pas péché, n'a pas failli. Le bout de sa robe remplit les temps complets d'Israël. Ya, ya, vous êtes là? Ya, c'est Jésus? Ah, ne m'applaudis pas, ne me glorifie pas. Regarde à la croix, car c'est. Tu cherches ça, je suis pas celui que tu cherches. Tu cherches celui que tu apprends, je suis celui. On applaudit pour elle, bien fait. Le temps, ça c'est un. Elle, bien fait. Vous n'êtes pas stable sur le podium. Vous ne savez pas trop donner avec le rap, tout ça. Et aussi, vous perdez le temps dans le ya, 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 ya. Ça ne dit rien, vous perdez. Donc, il n'y a pas de message là-dessus. Focalisez-vous sur le nécessaire quand vous êtes en compétition. Ça va? En fait, moi, je voulais aussi insister sur quelque chose. Les rap, c'est un style plus de message. Lorsque quelqu'un rappe, on a tendance plus à écouter ce qu'il a envie de dire que... Bon, en fait, ça transmet le message plus qu'amuser. Mais tu voulais plus nous amuser que parler. Et moi, je pense que quelque part, ça n'a pas aidé dans la prestation. Mais prochainement, j'aimerais, comme tu es rappeur, que tu nous parles plus au travers de tes rimes et ton texte. Ça va nous intéresser plus. Mais le reste, tu es bon, tu as le flow et c'est intéressant. J'abonde dans le même sens que les autres. Donc moi j'aime bien ton flow, t'as le flow mais travaille plus ta voix. Il faut que t'aies une signature quoi. Il faut qu'on entende qu'on dise oh là c'est lui, c'est elle quoi. Tu vois? Et à part ça, le fait que tu sois chrétien ne t'interdit pas d'être plus élégant comme rappeur, tu vois. Ça aussi ça véhicule quelque chose. Ok? Tu dois inspirer les autres, même dans l'habillement. Il faut qu'on te voie, on dit c'est un rappeur pour la gloire de Dieu. Travaille aussi sur cet élément-là et gère mieux tes mouvements. Ok? Il faut que tu sois plus cohérent avec ton corps et ton message. Ne sois pas trop agité. Hein. Ok? Bravo. Applaudissez pour. Yo! J'espère que vous êtes là! Un simple message pour un jeune ou une personne qui est là. Yo, écoute bien. Tiens, nous devons aller vers Jésus car c'est le chemin de notre salut. Oh. Au Saint-Esprit, prions fortification. Une chose, vous avez écouté ce qu'on vous a dit. Oui, c'est ça. Et j'aime encore une chose, c'est que vous êtes le rap. Merci. Cela ne doit pas exclure ce point de vue. Travaille encore la netteté vocale. Ça va? Ouais. Quand tu vas travailler, travaille la netteté. Il faut être clair dans le mot, dans les paroles. Écoute, depuis le début, tu interprètes
propres chansons. C'est magnifique. Voilà, c'est bien, je sais. Tu es là avec ton public fidèle. C'est aussi important pour un artiste. Ça aussi, je t'encourage. Troisièmement, tu ne forces rien en fait. Le rap, c'est ta vie. Tu es tellement à l'aise dedans que tu donnes même à celui qui n'aime pas le rap de t'écouter. Et troisièmement, je pense aussi, tu es un très bon rappeur, tu as du flow et tout ça, tu as ton public. C'est question peut-être de travailler aussi ta voix. Tu rappes bien, mais on aimerait écouter d'autres choses dans ta voix. En fait. Oui, c'est important. Voilà. C'est noté, c'est noté. Merci. Ça va, ça va. Ça va très bien. Je suis content de ce que tu as fait par rapport à la souplesse sur la scène. Ouais, tu t'es approprié la scène et j'ai aimé ça. Ouais. Et j'apprécie. Ta tenue vestimentaire correspond à ta personnalité. Ouais. Mais tu peux faire mieux. Je veux voir plus en fait. Je veux voir jusqu'où tu peux aller avec ça. C'est noté. Et autre chose, je vais te demander de refaire un petit extrait. S'il vous plaît. Tu vas refaire un petit extrait de sans musique, mais tu vas juste changer la position de ton micro. Il faut, tu vois comment je prends mon micro et fais en sorte que ta tête bouge avec ton bras, une coordination de façon que ton micro ne bouge pas et rapproche ça à une distance qui ne va pas varier. Essaye. Si tu te tends la main, tu dois tout abandonner. Ok, arrête. Rapproche un peu plus. Quand Jésus te tend la main, tu dois tout abandonner. Reste sur le chemin qui symbolise la vérité. Par la prière, c'est rassuré, il peut tout te donner. Ayez la foi dans le royaume, sûr vous êtes compté. Attends, ouais. Est-ce que c'est mieux? Non. Ouais, c'est mieux. Est-ce qu'on l'entend mieux? Oui. Oui. Désormais, contrôle ton microphone. C'est là que tu perds de netteté vocale. D'accord? Ouais, c'est bien reçu. Et merci. Si tu veux, tu peux faire ça. Oui. Voilà, et puis tu mets ton doigt là-bas. Bien, bien. Et puis ton micro reste à une bonne distance et toi tu as un appui avec ton doigt. Et là tu peux faire tout ce que tu veux, tu restes avec la main. C'est confirmé, c'est noté. Les anges disent que le Seigneur guérit, c'est faux. Parce que les anges n'ont jamais été malades. C'est votre chanson. C'est la chanson du frère Guido Calan. Merci. Vous êtes prêts? Bien sûr. Calmez-vous. Contrôlez le mouvement de l'auditoire. Concentrez-vous sur la chanson. Et on attend votre réponse. Cet espace, tu peux l'occuper, tu peux communiquer avec nous, essaye d'échanger ce que tu vis, d'accord? Ça va te donner plus de
plus de va, tu vois, ça va donner plus de valeur à ce que tu fais comme art. D'accord? Et plus d'élégance, j'insiste. Travaille ça. J'ai l'impression que tu te sens bien habillé et c'est tout. Tu es bien habillé, mais tu peux faire mieux. Ok? Travaille là-dessus. Merci. Le coup marqué et son vous vous continuez, vous perdez déjà nous des points. Ça va Esther? Il y a une autre chose, vous avez une belle voix, une belle voix, elle est naturelle, ça ne veut pas folle. Vos crachants doivent être beaucoup plus travaillés pour donner une très belle voix, si je peux dire ça. Esther Vira, la timidité devant les gens, vous êtes aussi timide, hein? Vous êtes un peu malade, hein? Ok, on comprend votre timidité. Quel est le Seigneur? Moi, je suis sensible à ta voix. J'aime ça. Mais j'aimerais que tu travailles pour tes finissages. Ça fera encore mieux prochainement. Mais le reste, c'est bon. Courage. Il y a moyen de gérer ton micro.